Salut, salut tout le monde, bienvenue, c'est l'Archangélion. Dans la foulée des deux premiers épisodes de la maison Karloff, hein, je vous en fais un troisième. Puis après j'irai monter tout ça et je vous le mettrai hein, pour rassasier vos petits yeux ébahis. Je sais pas ce qui se passe, hein, mais la chaîne s'est encore cassée la figure au niveau des vues. Bon, bah écoutez. Des phénomènes de mode comme ça, il y a des moments, il y a des pics, je comprends pas pourquoi, et il y a des moments, bah ça se casse la figure, je ne sais pas pourquoi non plus. Dommage, mais bon, on est quand même 88 angeliens angeliennes, donc ça me fait plaisir, merci à vous hein, de vous être abonnés. Merci pour ceux qui s'abonnent encore, hein, bienvenue. On va continuer donc notre exploration de la maison Karloff. On est toujours à 1010 au niveau des gemmes, on est toujours à 94,275 au niveau des couronnes. On a deux courants, trois inhabituels, un rare, ce qui est quand même pas mal. Et ensuite, on est à 35,3 au niveau d'ouverture. Voilà, on est à 35,3% d'ouverture du coffre, je vais y arriver. 3 jetons de draft et 3 jetons lancés. Voilà. Voilà, on a fait le tour. Hein. On est à 18, normalement, si je dis pas de bêtises, on va aller voir le profil. Allez. On n'est pas à quelques secondes près. Hein. On est à 18. On est à 18, donc on devrait être à 22, là. 22, un truc comme ça. Deck, non. Booster, plutôt. Allez, on est parti ici. Donc, au niveau... On va en faire 3. Donc, on récupère déjà un inhabituel. Ce qui nous fait donc 2 courants, 4 inhabituels, un rare. Et bah écoutez, cool. Ah, on commence à avoir des doublons. On est passé de 35,3 à 35,4. Donc, on a un doublon là. Essence d'antiquité, carte blanche qui arrive au 5ème round, c'est une créature artefact golem. Déguisement, 3 manas, dont un blanc. Quand l'essence d'antiquité est retournée face visible, les créatures que vous contrôlez acquièrent la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Dégagez-les. 1 en force et... Ouah, le mur par excellence 1 en force et 10 en défense. Alors là, un mur d'enfer. Il manque plus que jouer sur lien de vie +1/+1 et vous obtenez un monstre là. Petite phrase. Dans une ville aussi ancienne que Ravnica, même l'histoire prend vie. Surtout quand on s'y attend le moins. Ok. Ensuite, informatrice, carte blanche qui arrive au 3ème round, créature humaine et citoyenne. Quand l'informatrice arrive sur le champ de bataille, crée un jeton de créature 2-2, blanche et bleue. Donc on est sur un Azorius détective. Ok. Pour 3, ainsi que son engagement, un détective ciblé que vous contrôlez gagne +2/+0. Et acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. 1-1. C'est une 1. Alors, 1 en force et 1 en défense. Pour le détective, donc Azorius, un magie blanche et bleue, la créature. Donc, arrive sur le champ de bataille, donc il faut la faire revenir sans cesse en fait, cette créature. Faut la jouer avec le portail. Faut la jouer avec le portail. Elle rentre très bien dans un Azorius. Gorion. Gorion. C'est quoi le truc qui vole là et qui fait partir et revenir les choses? Je crois que c'est Gorion.
D'accord. Donc elle rentre très bien dans les Azorius classiques qui font partir et revenir les cartes. Puisqu'à chaque fois qu'elle va revenir, elle va recréer un jeton. Ainsi que c'est pas Tassa aussi en bleu, hein, en mono bleu qui fait partir et revenir des. Je crois que c'est Tassa qui fait partir et revenir. Waouh. Alors là, l'Azorius, il s'enrichit. Hein. Vous ne m'avez pas vu. Ok. Ensuite, Dissident des Éboulis. Carte verte qui arrive au premier round, créature, humain et détective. Quand le Dissident des Éboulis arrive sur le champ de bataille, surveillez deux. Pour 3. Surveillez deux. Non, pour un mana vert, excusez-moi. Exilez le Dissident des Éboulis depuis votre cimetière. Mettez un marqueur plus un sur une créature ciblée. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Donc un en force et un en défense aussi. Ok. Cool. Il n'y a pas de petite phrase, bien. Non. On continue avec Cadavre Curieux, une carte d'Ymir qui arrive au quatrième round. Donc d'Ymir, c'est la magie bleue et noire. Créature zombie et détective. Il est équipé du vol. Quand vous sacrifiez un indice, renvoyez le Cadavre Curieux depuis votre cimetière dans votre main. Ou carte récurrente en plus. 3 en force et 1 en défense. Ok. Quand vous avez dit que je pouvais apprendre beaucoup d'un cadavre, je dois admettre que je ne m'attendais pas à ce qu'il me fasse un cours sur la procédure médico-légale. Kellan à Ezrim. Ok. Cool. Non, c'est un mono noir que j'ai moi en zombie. C'est le mono noir hein, que j'ai en zombie. Faudrait voir en Dimir si un tribal zombie ça peut pas se faire aussi. Quoique il joue avec des indices. Ouais. Alors ensuite, sortie non autorisée. Carte bleue qui arrive au deuxième round. C'est un sort d'éphémère. Envoyez un permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Surveillez un. Petite phrase. Proft n'avait jamais été un enquêteur procédurier, mais il n'avait jamais imaginé faire évader un assassin célèbre d'une cellule de haute sécurité d'Azorius. Ok. Ensuite, boue contre l'humanité. Ça, on le connaît, hein, carte verte troisième qui arrive au troisième round, et qu'on connaît, on l'a déjà. Eh ben voilà notre. Wow, la vache, il voulait vraiment que je l'utilise. Hein. C'est notre cinquième déjà. Hein. Cinquième en l'espace de 3 épisodes. À part ça, il n'y a pas de problème avec les doublons. Hein. C'est impressionnant quand même. Parce que autant moi je veux bien hein, qu'on peut pas avoir toutes les cartes comme ça en truc. Mais là. Imaginez bien, vous pouvez faire le tour, on n'est qu'au troisième épisode. Et j'ai déjà du doublon. Faut se poser des questions quand même. Ça y est, je vais m'énerver. Défricheur de code fugitif. Carte rouge qui arrive au deuxième round, créature gobelin et gredin. Prouesse célérité, déguisement niveau 6. Ce coût est réduit de 1 pour chaque carte d'éphémère et de rituel dans votre cimetière. Quand le déchiffreur de code fugitif est retourné face visible, défaussez-vous de votre main, puis piochez 3 cartes. 2 en force, 1 en défense. Ok, bon bah écoutez, voilà, et on commence à avoir du doublon. Faudra pas s'étonner, hein. Si je quitte le jeu, c'est normal. Alors, on continue. Deuxième. Alors, cette fois-ci, est-ce qu'on est monté? Non, on reste à 35,4. Ils vont pas nous le faire à chaque fois. Poids d'épreuve, donc carte bleue qui arrive au deuxième round. Enchantement aura, équipé du flash. Enchanté créature. Les créatures enchantées gagnent plus de tant qu'elles et un détective et que vous contrôlez. Sinon, elle a la force. Elle a une force et une endurance de base de 1-1 et ne peut pas.
pas bloquer les détectives. Ok. Donc on peut la jouer sur soi comme on peut la jouer sur l'adversaire. Vous auriez dû savoir que tous ces mensonges finiraient par vous rattraper. Ensuite, reconstitution macabre, carte noire qui arrive au quatrième round, rituel, ce sort coûte 2 de moins à lancer si une carte de créature a été mise dans votre cimetière ce tour-ci, depuis n'importe où. Renvoyez jusqu'à 2 cartes de créature ciblées depuis votre cimetière dans votre main. Ouh, elle est bonne celle-là. Le témoignage oculaire arrive dans un instant. Laissez-moi juste finir de régénérer mes yeux. Nello, médecin légiste de l'agence. Ensuite, fanfaron des éboulis. Carte rouge qui arrive au cinquième round, créature, vachino et guerrier. À chaque fois que le fanfaron des éboulis attaque, s'il n'est pas suspect, vous pouvez le suspecter. 5 en force et 5 en défense, punaise. J'ai rarement vu des tribaux Vachino, je sais pas si ça existe, Vachino. J'ai réussi un triple homicide dans un bâtiment auquel j'ai mis le feu. Ouais, j'ai fait ça tout seul. Ok. On continue avec un enchantement à faire qui arrive au troisième round. Carte rouge donc, affaire du masque brûlant. Quand cette affaire arrive sur le champ de bataille, elle inflige 3 blessures à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. À résoudre, au moins 3 sources que vous contrôliez ont infligé des blessures ce tour-ci. Si l'affaire n'est pas résolue, résolvez-la au début de votre étape de fin. Résolu, sacrifiez cette affaire, exilez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, choisissez l'une d'elles, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Ok. Ok, il n'y a pas de petite phrase. On continue avec « Ils sont partis par là ». Carte verte qui arrive au troisième round, c'est un sort de rituel. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Enquêtez. Donc, ok, les indices sont connus. Petite phrase, fuir ne prouve pas la culpabilité d'une personne, mais une personne innocente ne fuit généralement pas vers la forêt dans des contreforts septentrionales. Non. Alst, des associés, trouve tout. Diligence raisonnable. Carte blanche qui arrive au troisième round et qu'on connaît. Hein. C'est déjà notre troisième ou quatrième exemplaire. Pisteur de la basilique, carte noire qu'on connaît aussi, qui arrive au sixième round, et c'est notre deuxième exemplaire. On n'est qu'au troisième épisode, hein, je vous le rappelle. Sran Portier, la carte qu'on connaît, hein, carte blanche qui arrive au deuxième round, et qui est superbe contre les artefacts et les créatures qui arrivent. Donc les Azorius. Ouais. Une belle carte de contre, hein, quand même, mine de rien. C'est une petite carte, mais une carte de contre qui peut faire très mal sur les decks qui s'amusent à faire partir et revenir, ou alors qui jouent artefact. Ok. Bah écoutez, que dire. Allez, dernier. On va récupérer encore un rare la prochaine fois. Sur la prochaine émission, mais je la ferai pas dans la foulée. La prochaine émission, j'attendrai demain, je pense. Je vais y aller doucement quand même. Hein. Pour la reprise, poids d'épreuve. Carte bleue qui arrive au deuxième round, c'est notre deuxième exemplaire. Galvanisé. Carte rouge qui arrive au deuxième round, sort d'éphémère. Galvanisé inflige 3 blessures à chaque créature ciblée.
à une créature ciblée, excusez-moi. Si vous avez pioché au moins deux cartes ce tour-ci, galvanisé, inflige 5 blessures à une créature à la place. Ok. Petite phrase. Pourquoi Kilox n'installe-t-il pas un interrupteur pour couper ses machines? D'accord, il a déclenché le truc sans le vouloir. Casquette de cogitation. Carte incolore qui arrive au premier round. Artefact équipement. La créature équipée gagne plus 1 plus 2. Équipement détective et équipement. Alors, équipement détective, est-ce que c'est expliqué? Non, même pas. Ah, c'est pour dire de la mettre? Ah non, il y a équipement. C'est quoi la différence entre équipement détective et équipement? C'est marrant, là, il l'explique pas. Alors que d'habitude, ils expliquent tout. Petite phrase. Mes plus grandes idées ne me viennent rarement lorsque j'ai froid aux oreilles. Inspecteur en chef, Oljo. Ensuite, branche de Vitugazi. Terrain incolore. Donc, pour son engagement, on a un mana incolore. Sinon, il y a déguisement niveau 3. Quand la branche de Vitugazi est retournée face visible, ajoutez 2 manas d'une seule couleur de votre choix jusqu'à la fin du tour. Vous ne perdez pas ce mana au moment où les étapes et les phases se terminent. Ah ouais? Déguisement, ok. Bon, ça on connaît. On continue avec Investigateur Champion, carte bleue qui arrive au 6ème round, c'est une créature, Vedalken et détective. Quand les investigateurs champions arrivent sur le champ de bataille, renvoyez jusqu'à une autre créature ciblée dans la main de son propriétaire. Si vous la contrôlez, y est enquêté. 4 en force et 4 en défense. Punaise. Pour une 5, moi, bof. Petite phrase, il se croit toujours meilleur que les enquêteurs du quartier, ils n'ont pas vraiment tort. Délinquant en cavale, carte rouge qui arrive au 6ème round, créature, géant et gredin. Elle est équipée du déguisement pour 5 mana de un rouge. Quand le délinquante en cavale arrive sur le champ de bataille ou est retourné face visible jusqu'à une créature ciblée gagne plus 2 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Elle a 5 en force et 4 en défense. Dans une ville de cette taille, n'importe qui peut passer inaperçu. Email des associés trouve tout. Ok. Diligence raisonnable, on est à notre quatrième, donc maintenant on va se prendre des doublons de diligence ou alors l'autre carte que j'ai vue pour le Salénien. Ok. Ensuite, morgue souterraine, terrain Golgari, donc magie noire et verte, terrain marais et forêt, la morgue souterraine arrive sur le champ de bataille engagé. Quand la morgue souterraine arrive sur le champ de bataille, surveillez 1. Ok. Et si on l'engage, ben on a un mana noir ou un mana vert. Au choix. Ok, ok. Bon, bah écoutez, très cool tout ça. On garde nos 9 pour les prochains épisodes. Ce sera demain, certainement. Là, je vais me stopper et je vais aller mettre... Je vais aller monter mes vidéos pour qu'elles soient vues une fois. Allez, on est parti sur le profil. Hop. 24. Eh ben, je pensais qu'on allait être à 22. Non, 24. On monte, hein, mine de rien. Et donc, toujours rien en mythique. 10 en rare, 22 en inhabituel et 34 en courant. De toute façon, vous inquiétez pas, après ça va passer au jaune et au orange. Hein, donc voilà. Classico classique. Un peu comme en bas. Hein. C'est lequel déjà? Ici, je crois.
Non, ça c'est une Istrad. Il est où le dragon? Il est là. Comme ici. Ok, bon allez, il est temps de se quitter. Eh ben, il est temps de vous dire, de vous souhaiter une bonne journée. Profitez bien de vos proches, profitez bien de cette vie. Allez, bye bye tout le monde, salut. Thank you.